نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. الحمد لله. Étudier définition de harf. Et Aster, l'auteur de Hidayatul Nahm, rahimahullah, l'époux, explique-nous ban alama de harf et qui ban bénéfice ena avec harf. Kout servini. Qui sont l'importance? Il peut expliquer nous ça. Et finalement, il peut expliquer nous wajh tasmiya de harf. C'est-à-dire, qui fait fin appelé harf. Alors, nous guettons quoi? Lija wa alamatuhu alla yassiha al-ikhbaru anhu wa la bihi. Alama de harf, c'est que li pas correct pour donner information concernant lui, ni pour donner information à travers lui. Alama de harf, c'est ça, qu'il n'est pas correct, n'est pas sahib, pour donner information concernant lui, et pour donner information à travers lui. Donc, les saints, harf, comment nous en prenons, n'est pas vin mousnad ilay, ni vin mousnad. Quelque chose qui donne information concernant lui, appelle-le Mousnad Ilay. Et sa information qui peut donner concernant Mousnad Ilay là, appelle-le comment? Appelle-le Mousnad. Et harf, ni livin Mousnad Ilay, ni livin Mousnad. Donc, il n'est pas correct pour donner information concernant lui et information à travers lui. Ni normal, parce que il n'est pas vin Mousnad Ilay et il n'est pas vin Mousnad. Ça, c'est alama. Et après, il dit nous, wa alla yaqbala alamat il asma'i wa la alamat il af'al. Et harf, li pas accepté ban alama de ism. Ism, ce plural, c'est asma. Li pas accepté ban alama, ban signe de ism. C'est-à-dire, ban signe qui tient de ism, ou pas pour trouver li de harf. Un signe qui t'explique nous un autre is ou pas pour trouver le harf. Et ni les accepter, ni les prendre, ban signe de ban afal, de ban fa'al. Fa'al, ce plural, c'est afal. Alors, après, là, quelqu'un donc a posé question, si harf, li pa vin mousnad, il est, li pa vin mousnad. Donc, quelle est l'importance, là? Qui fait nous pas juste, comment dire, drop to ban ism, qui est là, nous pas servir liam du tout. Elle a expliqué nous, les gens, non. Harf, il a ban fawaid, il a ban benefits. Right? Alors, qui ban benefits, qui ban fawaid, du coup, j'en ai là. Walil harfi fi kalam il arabi fawaidu. L'idée qui, dans kalam il arabe, donc dans la langue arabe, il a plusieurs ban benefits de harf. Right, les bénéficiaires de plusieurs façons. Comment? Quand les servinons, les dire par exemple, karrabati baina l'ismain. Par exemple, donne rabt. Rabt. Rabt veut dire link, connecté. Ou connecter deux ismes. Harf, les servinons, quoi ça? Les servinons, ou connecter deux ismes, par exemple. Alors, les donne-nous ce exemple, il dit nahwu Zaidun Fiddar. Par exemple, ou dit Zaidun Fiddar. Zaidun Fiddar, comment tu connais Zaid, lit dans la case. Right? Zaid dans la case. Maintenant, imaginez-nous, nous retire sa fille-là. Nous retire-les. Nous n'est que dire Zaid Addar. Zaid Addar. Mais là, signification-là, elle n'est pas complète. Zaid Addar. Qui vous pouvez dire pour Zaid Lakaz? Bon, en créole, pour dire Zaid Lakaz, il est compris. Lakaz. Mais seulement, en arabe, Zaid Addar. Zaid Addar. Vous demandez, mais qui te peut envie de dire? Fiddar? Oui. Zaid Fiddar. Donc, sa fille-là, il servit pour connecter premier isme, qui est Zaid, avec deuxième isme, qui est Addar. Right. Il fait ça, vin marbout.
connecter les links ça de là. Nous venons comprendre donc Z dit dans la case. Wal fi'lain et comme ça même, harf li aide pour connecter deux verbes. Nahou, uridu an tadariba. Et connecter deux verbes là. Et la première, uridu, I want, mon envie. Tadariba, tadrib. Alors, mon envie, kito bate, uridu an tadariba. Mon envie, kito bate. Ça, an là, ça traduit en anglais, that. Right? Donc, uridu, mon envie, an ki to bate. Maintenant, si nous retirons an ici, si nous retirons an, on passe à vidi, on est déjà uridu tadrib. Uridu tadrib. Qui te peut retirer? Pas ça, pas préparé de complet. Donc, pour faire les vignes complètes, là, nous devons servir ça harf là au milieu. Une connectée de fa'al. Ou, ismin wa fa'alin. Et parfois, harf servit pour connecter un ism avec un fa'al. Hein, pour faire l'ivin marbout, pour donner le rabt. Un is et qu'un fa'al. Par exemple, ka darabatu bil khashabati. Darabtu bil khashaba. Mofin batte avec bâton. Khashaba. Petit bois. Mofin batte avec bâton. Maintenant, faire comme on a dit, nous retire ça, harf bi. Nous retire l'in. Qui pour rester? Darabtu al khashaba. So meaning meaning mon bat di bois mon bat di bois mon bat bâton mais si me dit darabtu bil khashabati lela so meaning bon mon batte avec un bâton mon bat avec un bâton mon servi un bâton pour batte mon servi un bout di bois pour batte awil jumlatain et parfois harf qu'il y fait les connecter deux phrases nahwu. Par exemple, inja ani zaidun akramtuhu. Inja ani zaidun akramtuhu. Si zaid fin vin kot moi, akramtuhu mopu onoli. Si zaid fin vin kot moi, mopu onoli. Par exemple, si nous tia in ici. Résiste ja ani zaidun akramtuhu. Zaid fin vin kot moi, mopin onoli. Là, zaid pou vini pou diabe mopan vin kot moi. Là, nous disons, non, besoin d'un harf ici, in. Si Zed fin vin kot moi, mou pou ono li. Donc, qu'il en fait? L'in link deux phrases. L'in connecté deux phrases. Wa ghayri dhalika min al fawa'id allati ta'rifuha fil qism al-thalith insha Allah ta'ala. Et les dire, donc ça c'est quelques bandes bénéfices de harf. Mais, à part ça, il y a encore ben, les autres bénéfices qui ou pour connaître la troisième partie de sa livre-là, Inch'Allah Ta'ala. Donc, la première partie, les pour cause concernant ism. La deuxième partie, les pour cause concernant fa'il. Et la troisième partie, les pour cause concernant harf. Inch'Allah, quand nous arrivons là-bas, Allah donne tawfiq, nous pour expliquer les là-bas. Nous pour comprendre les là-bas. Et, ensuite, les explique nous qui fait un appel harf. حرف زوجه التسمية ينوى يسمى حرفا لوقوعه في الكلام حرفا أي طرفا إذ ليس مقصودا بالذات مثل المسند والمسند إليه لجاء في نابل لي حرف لوقوعه في الكلام حرفا أي طرفا لجاء في نابل لي حرف بس كو لي باغيت دانو كلام دانو اسبيتش harfan. Qu'il y peut mener ici par harfan et tarafan. Déjà parce que dans nos calames, dans nos speech, harf, il paraît d'un côté. Il paraît d'un côté. Taraf. D'un kinara. Il paraît d'un côté. Id laisa maqsoudan bizad. Parce que il n'est pas maqsoud bizad. Mithlul musnad wal musnad ilay. Déjà, il n'est pas maqsoud bizad, pareil comme un musnad et musnad ilay. Il n'a même status qui musnad et musnad ilay. D'un kalam, d'un phrase, ce qui est important, c'est son musnad et musnad ilay. Par exemple, quand nous disons Zaidun qa'imun,
زيد بي دو بوتي alors là مسند إليه qui est زيد ici ça n'est important peut donner information concernant lui et information qui peut donner concernant les قائمون ça c'est مسند right? C'est ça qui مقصود بذات c'est ça qui comment dire nous intend pour transmettre sa meaning là c'est ce qui est dans مسند et مسند إليه right? Tandis que harf n'est pas comme ça. Harf n'est pas le même niveau avec Mousnad et Mousnad Ilay. Donc, les apports de ça, les apports de ça, les apports de Mousnad et Mousnad Ilay, donc les apports de ça, comment dire, il y a un côté de ça, de là, à cause ça, fin appelle les harf. Donc, ça n'est pas tellement important là. Mais toujours, l'explique-nous, nous essayons de comprendre. Les. Maintenant, Inch'Allah, nous commençons la prochaine force, qui peut venir après. Et là, les pouvines intéressants, les pour définir calam, etc. Allah, Rabbul Alamin, facilite compréhension.